Salut à tous, ici Polaris et je suis encore une fois avec Hightech parce que nous vous l'avions promis, il est beau, il est brillant, il est magique, le BO3 entre Hightech et moi. Allez, c'est parti. Reprise de la partie. Allez, on est parti. Donc là, c'était notre première game entre Polaris et moi. Oula. Et donc là, le joueur Protoss qui a balancé une probe, hein. C'est magnifique. Plutôt impressionnant. Toi, t'en as balancé deux. Ah là là. Deux. Eh oui. Et tout est là dans. C'est toute la psychologie qu'on voit là. Le dominant qui se barre. Bonjour, moi je m'ennuie. Donc oui, notre première partie à Lexialan qu'on a joué l'un contre l'autre. Comme par hasard, bien sûr, c'était la première partie. Hein. C'est ça qui était bien marrant. Oui, il y avait une petite pause. Tellement. Oui, c'est ça que j'ai bien aimé, ouais. Parce que on a quand même fait, disons que les adversaires ont été choisis de manière totalement random et qu'on est tombé l'un contre l'autre dès le premier match. Et d'ailleurs, je me souviens plus trop de ce match. Je sais plus trop sur quoi je suis parti et sur quoi tu es parti, toi. Alors honnêtement, je t'avouerai que je ne m'en rappelle pas non plus parce que c'est pas le match qui m'a le plus marqué. Ouais, franchement, c'est les deux autres qui étaient les mieux. Celui-là, je l'ai trouvé un petit peu long. Ouais, 19 minutes quand même. Donc bon, il était un petit peu long, on a un peu pas trop bougé quand même. Ouais. C'était un peu dommage, mais bon, c'était notre première partie aussi, on se taquinait un petit peu. On avait un peu peur de l'autre. Eh oui. Bon, alors sur Luxuriance, une map dont je ne suis pas spécialement fan. Les APM qui se touchent un petit peu. Beaucoup d'APM pour le joueur Protoss quand même, Tout à l'heure, hein. quand j'ai appuyé sur pour voir les APM, c'était toi qui étais en train de faire un lourd Kamehameha. C'est ça, c'est. Par contre, tu devrais laisser le contrôle W, en fait, ça permet d'avoir la map. Oui, je sais, mais je l'enlèverai pour les fights. Par contre, EPM. Ah ouais. Ah, quand même. Attention. Ouais. Oui, en effet, il y a une énorme différence. J'étais à 228 d'APM, je suis à 11 EPM. C'est là qu'on voit tous les free APM. Ça. Donc Alors alors c'est. Polaris a lancé une petite B2, deux Zerglings, c'était deux Zerglings de scout ça il me semble. Alors c'est très possible. Ouais. Oui, je crois que c'était ça. Mon dominant qui arrive, mon premier zélote qui va sortir. Oui, parce qu'en fait, je crois que mes deux Zerglings, je les avais envoyés pour voir si t'avais, c'est ça, pour voir si t'avais une Ouh, B2. face B3, tu m'as pris. Mais parce que j'ai supposé que t'avais déjà B2, donc j'ai lancé ma B3. Non, j'étais parti assez safe. One Gate Expo, il me semble. Ouais, je suis à 23 là, à 27. Normalement, j'aurais posé mon machin. Quoique, en fait, je sais pas ce que je faisais. Alors c'est intéressant parce que moi je découvre un peu ce qu'Hightech a fait parce que je ne me souviens plus de la game et que j'ai pas regardé le replay. Surtout qu'en fait, on sait pas trop ce coup l'un l'autre. On est vraiment resté chez nous. C'était un bon. Un peu dommage. Donc, toi, t'as pas le métabolique boost, il me semble. Oh, pas à ce stade-là de la game. J'ai pas de Ouais. gaz encore. On a rien. Ouais, c'est vrai, t'as pas de gaz, j'ai pas fait gaffe. Donc oui, en effet, je m'en suis servi pour scout, voir si Comment tu t'es pars. rentré là chez moi? J'ai. Ah, oh, j'avais oublié mon Mon zélote en zélote. roll. Alors j'ai pas trop fait gaffe, j'ai cliqué dans ta base, le dernier est rentré, donc j'ai pas regardé si ton zélote s'était poussé, mais bon. Oh putain, mon gars. Qu'est-ce que c'est dégueulasse! Voilà. Et la Sentry qui arrive et qui t'a fait. Nope. Au pire, je m'en foutais, je crois que j'avais vu tout ce qu'il y avait à voir. Hein. Oui, je crois que t'as été à peu près tout vu. Donc, et la Ah non, Polaris qui prend un gaz. j'ai pas vu ce gaz que tu viens de poser, hein, ni la probe que tu viens de lancer. Ah oui. Surtout la probe, c'est ça le plus important quand Et la même. B2. Alors la B2, je l'avais pas vue, mais je l'ai supposé quand même. Ouais, ce stade-là du jeu, voilà, t'étais. Surtout que je la supposais déjà bien avant la B2, donc. Moi, je ne vois rien de toi. Mets-toi un peu dans ma vision, je vois rien. Ah oui. Ah, tu sais même pas que je suis dans la partie en fait. Ah oui. Tu sais même pas que j'ai une base, tu vois.
Ouais, alors que toi, tu sais que j'ai un peu tout ça là. Que j'ai deux gates, trois gates, pardon. Parce qu'en fait, quand on se met dans ma vision, on se rend compte que dans ta main, il n'y a que le bâtiment que tu viens de poser que j'ai pas. Que ton Ouais, tu complexe sais pas pro. que j'ai les warp gates. Ouais, enfin, à ce stade-là du jeu. Enfin, tu me diras, je suis tombé sur un Protoss à 23 minutes, il avait pas les warp gates, mais. Bon, il savait pas jouer lui. Par contre, t'es dominant, tu les poses de mieux en mieux. Là, celui-là, tu vas le poser au milieu. Merde, contrôle. Eh, je suis dans des zooms là. Ah non, voilà. Donc ouais, ce dominant que tu poses bien. Non, tu poses pas au milieu. Si, d'accord. Tu te tais. Celui-là, il va aller faire un bisou à son copain. Il est un petit peu useless quand même, celui-là. Non, celui-là je l'ai placé un peu plus par là au cas où t'aurais une prop qui serait un peu plus sneaky, tu vois, qui essaierait de passer. Ouais, sauf que je savais même pas que t'avais un dominant ici. On sait jamais. Puis je sais pas si je vais pas le bouger justement à un moment. Enfin bon, peu importe. En fait, les dominants, je les place un peu partout pour essayer de voir un maximum. Parce que n'empêche que sur les games en ladder, des fois, ça m'est bien utile. Donc alors toi, qu'est-ce que t'as chez toi? Ah, t'es toujours sur des speedlings, enfin sur des airlings du moins. Wow. Oui. Ou Et toi, alors là. t'as fait quoi? T'as fait un espèce de 3 gate robot, en gros, non? Je ne sais. Non. 4 gates, robot. Enfin, j'ai pris un. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je fais un peu au feeling. Et en fait, voilà, moi j'ai vu tout ça, j'ai vu tes deux zélotes, tes deux stalkers, je pense que tu devais pas avoir grand chose à ce moment-là. Ouais, sauf que j'avais gardé derrière un petit peu. D'où le fait, je crois que j'ai balancé 22 Zerglings. Moi j'étais scout à l'ops. J'ai vu la B2, je sais pas si j'avais vu la B3. Non, tu ne l'as pas vu. Non mais à ce stade-là, ouais, mais je sais pas si je m'en suis douté, parce que quand même, vu le creep qu'il y avait, j'aurais pu m'en douter. Ah, j'ai pas vu le Bataroach. Ah oui, je suis passé vraiment. Ah oui, voilà, je croyais que la B3 était plus basse. Si pour ça. Mais non, c'est pas ça, il faut que je change ça. Ah oui, là la sanction. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Là, je m'étais bien fait prendre en sandwich. Ah bah c'est d'où l'intérêt d'avoir des speedlings, voyez-vous. Niveau amélioration, bon, on est un petit peu. Ouh là, putain, toi, ton minerai, il est un peu. Salut, je m'envole. Je vois absolument pas pourquoi tu me dis ça. Je m'envole. Yeah. En même temps, je suis sur trois bases et je produis que du speedling quasiment pour l'instant. Alors attends. Donc là, j'ai vu les roches. Ça tombe bien, j'étais parti sur un peu Imo Colosse. Et la B3. Donc ouais, t'es. Oh, t'étais parti Roach Hydra là-dessus. Ouais. Ouais, donc en fait j'avais complètement ton counter, sans le savoir. En fait, j'ai voulu partir standard, tout simplement. Parce que le Rotchidra est quand même assez standard pour ce match-up. Ouh la B4. Ouh la gold en plus. Ah oui, non, mais moi quand je joue sur cette map, je joue greedy, tout le temps. Pourquoi j'avais fait une prop par là? Alors, j'en ai aucune idée, mais on le saura probablement jamais. Pourquoi j'avais une probe? Je voulais peut-être poser un proxy, je sais pas. Ouais, je crois que c'était ça en fait. Et je voulais éviter la Xel. Donc c'est pour ça qu'elle faisait ce déplacement. Je sais pas trop où elle allait. Je crois que. Ah ouais, je crois que je voulais te sanctionner ta B3. De toute façon, j'ai vu, tu sais, j'ai vu le petit, comment dire, j'ai vu le petit trait vert, tu sais, tu vas là, puis là, puis là. Je viens de le voir, le truc, donc. Ouais, je pense que je t'ai passé comme ça plutôt. D'ailleurs, c'est pareil. Là, ta probe qui va être un peu spotted. Si je me souviens bien. Hein. Je sais pas si tu es. Ouais, bah là, oui, je t'ai spoté à 3 km. Hein. Le creep, j'ai fait. Hey, temps de réaction, je m'arrête.
En plus, je réagis pas de suite non plus, hein. Je sais pas Ouais, comment ton armée est défendre. juste à côté. Ah non, il y a quand même. Non, je. Ah si. Bonjour. Ouais, t'as voulu éviter de. Ouais, tu sais, c'est quand j'ai vu tes cercles arriver que je me suis barré. Genre, t'avais une chance de t'échapper alors qu'ils sont speed et sur crit, quoi. Mais j'ai vu le fail, t'as fait un lourd miskick, tu t'es barré trop loin. Oui, j'ai vu, ouais. T'as bien caché tes Roach Hydra, et je sais pas si j'étais au courant. Ouais, non, je savais pas que t'étais sur Hydra. Sur Roach, je l'avais vu, mais Hydra, je savais pas. Alors si je me mets dans ta vision, mais déjà t'avais pas vu le bâtard Roach, donc tu savais qu'il y avait des Roach parce que tu les avais vus, mais les Hydras t'as pas vu le bat non plus, donc Ouais, ça me manque de scout. Attends, mon ops il est sur ta B3 au-dessus de ta queen. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse là? Putain, qu'est-ce que je suis con des fois. bien la Queen. Là t'as vu un Hydra normalement. Sais pas, je faisais pas trop gaffe, mec. En toi tu mets un ops si tu le regardes pas. Ouais, en fait, il m'a été complètement useless cet ops. D'accord. Ok. J'étais sur 1, 3, 6, 7. 7 gates. Ouais, En j'étais fait pas. tu. 7 gates, un robot. Oui donc tu m'as fait un set gain trop beau quoi. Ouais. Mais pas sur les timings. Ok. Ouais, j'étais plutôt resté gate ball. C'est ce que j'aime bien, quoi. Non, c'est pas ça. Puis tout à l'heure, Ouh, il. l'armée! Putain, mais attends, mais comment j'ai fait pour gagner là-dessus? Parce que l'armée Toss est plus forte que l'armée Zerg. Mais attends, mec, c'est chelou ça. Désolé pour le spoil. Parce que accessoirement niveau up t'as le 1 d'attaque, je l'ai pas. Ah, t'avais rien du tout au niveau. J'avais le speed roach, le speed hydra, la portée des J'avais hydras l'attaque. et le speed. En fait j'avais que des ups de déplacement ou de portée. Putain, mon gars, en fight, on voit bien les APM qui diffèrent. Toi, t'étais toujours à 300 d'APM, moi j'étais toujours à 100 et quelques. C'est abusé. Par contre, niveau EPM, bon, je te déboîte toujours. Ah, bah non, niveau EPM aussi, en fait. Forcément, tu Elle. cliques 33 au même endroit pour dépasser tes stalkers. Ouais. J'avais fait un lourd F2 parce que je vois mon Nobs qui est en train de se déplacer. Ah, remarque, je vais avoir le 1 là par contre. Ah ouais. Mais ça a pas changé grand chose à partir de là. Bah vas-y, c'est que. Pourtant, tu vois, là j'ai 20 fois de plus que toi, j'ai le 1-1, mais bon, les force field et le colosse. Ouais. Voilà, donc. Ouais, hein, on va dire que, hein, voilà. T'aurais pu me prendre quand même, hein. Suffisait. Ouais, t'as snipé le colosse, là t'aurais pu, mais. Non, j'avais Après, plus. t'as le colosse derrière qui revient. Alors là, on voit quand même la différence. J'étais à 357 d'APM, t'étais à 22. Ah, clic! Ah, t'as vu, je produisais plus rien, mon gars. Ouais, c'est ça. GG, biche. Et voilà. Je m'en souvenais pas de celui-là, tiens. Ben voilà, ce Ok. sera tout, les amis, pour cette Donc petite partie. une première game, pas forcément magnifique, mais plutôt sublime, surtout de mon côté, hein, quand même, parce que bon, high-tech, bon, c'est un. Non, ouais, c'est vrai que toi, c'était plus joli à regarder, parce que toi, au moins, t'as bien étendu ton creep, t'as pris B4 et tout, t'as tenté des trucs. Moi, moi, bon, je rechue moins, moi. Non mais je dis ça en déconnant, hein. Voilà. Donc une petite game, comme on l'avait dit, hein, voilà. Donc on va caster aussi les deux autres replays, n'est-ce pas? Ouais. Non, on va faire ça maintenant. Je sais pas si on les postera les trois à la suite ou si on. Si, on postera certainement les trois à la suite, mais Ou si genre je mets des trucs entre chaque vidéo pour pas que. Pour diversifier un peu plus. Ça, je ne sais pas. bon, peu importe, le On fait est verra. que nous, on va tous les faire maintenant et que vous, Oui. vous les aurez pas d'un coup. Comme les hôtesses de forest.
Ouais, Et c'est pas marrant en fait. Bon t'as allez. raison. À plus Voilà. les biches. À plus tout le monde. It's all I wanna do.